I know what you're wondering. What's in the canister? I could tell you, but then I'd have to kill you. I'm only mucking about. Relax. As for what's in the canister, it's best you don't ask. Bien sûr que je m'inquiète pour l'environnement. Surtout pour mon environnement immédiat en fait. Porter n'est pas vraiment un élève exceptionnel. Mais ses tests d'aptitude révèlent un véritable talent pour les sciences. Poussé par sa famille et ses professeurs, il suit un cursus moins conventionnel. Fait de tuteurs, de cours à la maison et d'expériences in situ. Il s'épanouit via ce mode d'apprentissage et développe rapidement des compétences en chimie, en biologie et en mathématiques. Cependant, Porter n'a pas envie de faire des études universitaires. Il contrefait une carte d'identité et l'utilise pour s'engager dans l'armée britannique. Le cadre rigide de l'armée ne lui réussit pas toujours, mais il s'y retrouve dans la grande diversité des entraînements et des expériences proposées. Bien qu'il soit plusieurs fois réprimandé pour des manquements aux règles, ses supérieurs reconnaissent très vite son esprit novateur et sa vision stratégique, et ils l'encouragent à rejoindre les SAS. Porter privilégie l'apprentissage par ses propres moyens, quel que soit le domaine, il ne s'épanouit pas dans le cadre d'entraînement standard. Rapport psychologique. Je mets un point d'honneur à ne pas arriver en entretien avec des idées toutes faites à propos d'un spécialiste. Puisque le dossier du spécialiste James Smoke Porter contient des éléments contradictoires, je n'aurais de toute façon pas pu me forger un avis préalable. Il s'est donc présenté sans que je ne sache véritablement à quoi m'attendre. On le décrit très souvent comme une personne détachée. J'ai bien relu son dossier et je me rends compte qu'il prend de la distance quand il est face à des situations d'une grande intensité. Selon moi, ce n'est pas du détachement, mais plutôt de la concentration. Je me souviens que mon oncle se tapotait le front en m'expliquant qu'il faut maîtriser ce qui se passe dans sa tête. Je pense que c'est exactement ce que fait Porter pour se focaliser sur son objectif et filtrer les distractions extérieures. Il lutte pour ne pas laisser ses émotions influencer ses choix et il opte pour certains exutoires, comme les concerts de musique live pour faire retomber la tension. C'est ce qui lui permet d'être à la hauteur pendant ses missions. Il apparaît clairement que les parents de Porter l'ont toujours poussé à défendre ses libertés et à développer ses connaissances et sa personnalité selon ses propres termes. Bien que cela ait pu lui causer quelques problèmes, il a notamment écopé d'une cicatrice lors d'une expérience scientifique, mais rien de traumatisant, c'est une méthode qui semble avoir porté ses fruits. Cette éducation libre a forgé une personne dynamique et complexe, bien plus difficile à cerner que la normale. Porter est populaire parmi ses coéquipiers, et bien qu'il soit parfois un peu imprudent, ils savent que c'est quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Je trouve personnellement qu'il est bien plus qu'un simple mordu d'adrénaline ou qu'un individu intrépide, comme j'ai pu l'entendre. Il est plus nuancé que cela. Je le trouve mesuré et il calcule toujours sa prise de risque, à l'instar de ses coéquipiers. Porter comprend parfaitement qu'il vaut mieux respecter la peur plutôt que de prétendre y être insensible. Porter a, dès le plus jeune âge, pris l'habitude d'apprendre par lui-même et il continue aujourd'hui à cultiver sa propre identité. Il aime découvrir de nouvelles expériences et les maîtriser avant de passer à la suite. Sa fille adoptive reste sa seule exception. Porter a bien voulu me montrer une photo d'elle. Je n'ai jamais vu un enfant entouré d'un attirail aussi dangereux. Porter m'a indiqué qu'elle était au lycée, aujourd'hui, et qu'elle appréhendait sans aucun mal le système qui l'avait tant fait souffrir. Grâce à elle, il parvient à percevoir le monde d'un angle différent, et c'est exactement le genre de défi qu'il aime relever. Docteur Arishva Hari Pandey, directeur de Rainbow. Note. Équipement, grenade à composé Z8. Agent, spécialiste James Smoke Porter. Responsable d'évaluation, spécialiste Liu Lesion Tselong avec l'aide du spécialiste Porter.
Les tests en environnement contrôlé de la grenade à composé Z8 nécessitent de prendre plusieurs mesures de précaution, et notamment de limiter la présence dans le laboratoire au personnel minimum requis. Des règles strictes concernant le traitement de l'équipement de protection personnelle, PPE, et les protocoles de gestion de risque doivent être appliqués. Le complexe est récent, mais nous avons dû mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires avant de commencer le test. On retrouve plusieurs agents incapacitants dans la grenade à composé Z8, et notamment, ces substances sont top secrètes, la liste a été supprimée de ce rapport sur ordre de la directrice du département R&D. Par conséquent, la présence des spécialistes James Porter et Liu Zelong est indispensable, aussi bien pour cette phase de test que celles qui seront programmées à venir. Les premiers tests nous ont permis d'obtenir des données basiques, principalement à propos de l'intégrité structurelle, de la conception des enveloppes ou encore du délai de déploiement et du rayon d'effet. Nous avons également procédé à des tests pour mesurer les niveaux d'exposition supportables, sans oublier de tester les composés d'antidote pour les cas applicables. Les données sont toujours en cours d'analyse et nous vous les communiquerons dès que possible. Lésion et Smoke. Voilà, cette vidéo sur Smoke est désormais terminée. Ne vous inquiétez pas, vous aurez encore des histoires d'un agent, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, vous aurez l'histoire d'un agent sur Smoke. Jeudi, vous aurez celle sur Mute. Et si j'ai le temps, vous aurez celle samedi sur Tachanka. Si pas, elle sera un tout petit peu décalée, ce sera probablement dimanche ou lundi. Mais ne vous inquiétez pas, les histoires d'un agent vont continuer. J'essaie d'en faire le plus possible ces temps-ci, au moins on avance, vu qu'il y en a eu pendant un petit moment, au moins on avance. Merci pour tout le support, comme d'habitude vous êtes géniaux, continuez comme ça. N'hésitez pas à me proposer des agents dans les commentaires et évidemment je les ferai. Continuez de checker la liste parce que ici c'était l'épisode 25, donc on est quasiment à la moitié des opérateurs faits. Donc allez voir si les opérateurs que vous voulez peut-être sont déjà faits, on ne sait pas. Donc si ça vous intéresse, allez checker la liste. Et si un opérateur n'est pas encore fait, bah, dites-le moi et on le fera. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux la liker, la commenter, la partager, t'abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Zarko, bye tout le monde.